Restez bien comme ça, s'il vous plaît. Ouvert, ouvert. Bon, moi j'ai été arraché de ma famille, je viens de le dire là. Je l'ai dit, je le redirai, je le dirai toujours jusqu'à ma mort. Par contre, c'est pour ça que je cherche à avoir réparation, je ne lâcherai jamais l'affaire. C'est pour ça que je vais jusqu'au tribunal avec des avocats. Donc en France, de 1942 à 1944, pratiquement 750 000 jeunes Français sont partis au STO, en Allemagne, pour servir donc les intérêts économiques de guerre des Allemands. Et en partant de là, on sait que dans notre région, et à Marseille particulièrement, 16 000 jeunes Marseillais sont partis. Et 2000 sont morts. Albert a été blessé de guerre, donc il y a bien sûr des pensions qu'on appelle pensions de guerre pour des blessures, mais vraiment pour le travail obligatoire, rien n'a été pensé pour ces gens-là. Puis nous avons tous des documents officiels qui attestent bien donc de la réalité en fait qu'il était victime du travail forcé. La France, comme vous le savez, est occupée dans la zone nord et sur le littoral atlantique. Voilà, si tu veux leur dire un petit peu du débarquement d'Afrique du Nord.